projet, il a commencé bien avant. C'était l'invitation du Goethe-Institut et du consulat français. Donc on a développé cette idée du Montréal, mais il fallait qu'on trouve un bon lieu pour s'installer, pour s'implanter, pour le construire, ce montagne, ce mont, cet objet qu'on avait dans la tête. Où on a proposé une collaboration à l'Université de Montréal. Ce qui était pour moi important, c'est de rencontrer un lieu qui a déjà une dynamique d'initiative. Ça, c'est quelque chose que j'ai un peu cherché et retrouvé ici. La forme et le design, c'est quelque chose qui a été quand même influencé par le lieu, évidemment. Souklab, c'est avant tout un réseau de gens qui partagent, disons, la même manière ou l'envie de faire les choses de la même manière. Donc, on aime bien penser quelque chose et le faire. On est autant architecte charpentier que moi, autant designer, menuisier, graphiste, peintre, voilà. Et je pense que dans beaucoup de professions de notre milieu, il y a cette question de mettre la main à la pâte. Je suis bénévole pour le stage avec ConstruClab, l'atelier du Montréal, qui dure 3 semaines. On est en train de construire une structure qui est une représentation d'une montagne. J'ai vraiment aimé le concept de base qui était de faire une construction collaborative. Je trouve que c'est fantastique là, de voir tous les projets ici évoluer, de passer d'un sol mort à un sol vivant, de passer d'un lieu inhabité à un lieu culturel, social, où il y a de la musique, des arts, des sciences aussi, de la philosophie même. Je pense que c'est un peu ça la mission là, ici. Je suis designer responsable du chantier pour tout ce qui est les besoins en matériaux, les équipements. Le projet est vraiment particulier parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, comme juste en préparation, on était par Skype avec souvent des gens dans 2, 3, 4 pays différents. Fait que ça, c'est une première particularité. C'est un projet qui se fait aussi dans à la fois plusieurs langues. Généralement, on n'est personne jamais dans notre langue maternelle pour parler. C'est un projet qui est différent puis particulier parce que c'est quelque chose qui se crée au fur et à mesure. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, il modifie, il change pour s'assurer que il puisse être conforme, fonctionner puis continuer à rouler. Mais je trouve que c'est tellement riche, les gens que tu rencontres, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a comme une... peu importe, il y a cette idée de partage qui est vraiment riche au sein de ce projet. Comme tu peux parler avec à peu près n'importe qui ici puis tu vas toujours découvrir des nouvelles choses. Juste sur la montagne aussi. La plupart des gens qui participent au workshop, c'est des gens qui ont un intérêt pour la construction, mais c'est pas nécessairement des gens qui ont déjà construit. Mais vraiment, ils t'invitent à collaborer, à faire des essais, des erreurs, mais surtout, ils te montrent comment faire. Agraphmobile a été intégré au projet par ConstruClab, qu'on connaissait par ailleurs dans d'autres projets. Donc, on encadre un peu le département graphisme et signalétique, donc tout ce qui est communication et tout ce qui est écriture et scénographie sur le site. Dans un travail normal, on doit presque, avant de commencer, savoir où on arrive parce qu'il y a plein de choses à prévoir. Et ici, ce fait de se donner le temps de regarder chaque étape, ça permet d'ajuster aussi ce qu'on fait, c'est très précieux. Und wir hatten nach Künstlern aus Deutschland gesucht, die in dem Bereich arbeiten und sind da sehr schnell auf ConstruClab gekommen und Alexander Römer, der das ConstruClab leitet. Was wir spannend bei ConstruClab fanden, war eben, dass sie außer dem architektonischen Wissen und eben dem Wissen, wie man so eine Struktur baut, noch ein ganzes anderes Projekt drumherum konstruieren. Also es geht nicht nur um die Installation, sondern wirklich um das Ganze drumherum, was während der Konstruktion stattfindet. Um das zu erreichen, braucht es eine Vielzahl verschiedener Akteure. So sind an der Entstehung von Montréal neben den Künstlern, freiwilligen Workshop-Teilnehmern, Partnerorganisationen, zum Beispiel auch Unternehmen aus Quebec beteiligt, die sich auf Holzprodukte und die Verarbeitung von Holz spezialisiert haben und ihre Expertise in das Projekt einbringen. I'm here as part of ConstruClab.
responsible for the building of the mountain. Building is one of the aspects of this project. It is building and activating a space. It's going to be used where people meet, will interact. We have a story to tell because we make a mountain in Montreal. It's a symbol. I think we are all together finding out what this Montreal is going to be. Die Idee ist, dass Montréal sich als Treffpunkt entwickelt, als Versammlungsort, als Begegnungsort von Anwohnern und Kulturschaffenden, die hier in der Umgebung tätig sind. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir verschiedene Ideen haben, wie wir uns Montréal vorstellen. Uns haben Künstler schon angesprochen, ob sie dort ein Konzert veranstalten können. Wir wurden von Community Groups angesprochen, ob sie dort Workshops veranstalten können, ob sie Leute einladen können. Und zu allem würden wir sagen, ja, man kann alles machen. Le site Outremont, c'est un terrain que l'Université a acheté en 2006, qui était l'ancienne gare de triage du Canadien Pacifique, un grand triangle de terrain, dans un endroit qu'on appelle les projets éphémères. C'est l'idée qui vient de l'Université de Montréal. Et à cet endroit, qui est dans le secteur du nouveau campus des sciences, le nouveau campus 1000, c'est ici qu'on met en place un paquet d'activités qui nous permet de rejoindre des gens, qui permet de rapprocher l'Université des communautés. Je suis une artiste invitée par ConstructLab à activer le site pendant le chantier de construction. Donc, de trouver une façon de rendre le lieu vivant. Parce que, bon, c'est comme une représentation métaphorique du Mont-Royal. Mon projet, qui est une table avec une nappe qui défile tout au long du mois de juillet. Puis, les gens peuvent coudre, broder, dessiner. La nappe peut archiver les traces du passage de tous les participants, mais aussi du passage des gens de la communauté qui vont venir visiter le site. J'ai eu deux super constructrices qui ont vraiment mis du leur, ils ont designé une table. Tout le monde est super créatif dans sa manière d'aborder la chose. Amen. Important pour nous, je l'ai déjà mentionné, c'est qu'on habite un lieu pendant ce moment de chantier. Cette manière de travailler ensemble, de créer cette collectif de construction qui fait qu'un projet amène une force qui peut rayonner par la suite aussi. Pour moi, l'architecture, c'est le cadre, ça ouvre un espace, mais c'est pas l'espace même en fait. Ce qui remplit l'espace, ça c'est les gens, ça c'est la vie. On développe de plus en plus différentes voies à l'intérieur du design et de l'architecture. Un étant la construction temporaire, qui commence à être très pressante. Mais je pense que c'est aussi très bien de questionner dans quelle façon est-ce qu'on invite les gens à utiliser un espace. Comment est-ce que la temporalité amène vraiment des questions par rapport à l'espace? Et quel type d'action est-ce qui t'invite les gens à prendre dans cet espace? Et pendant les 3 semaines qu'on vit sur le site, on a créé une programmation pour chaque semaine. Et avec ça, on est allé dans les quartiers pour inviter avec quelque chose de plus concret les personnes à venir. Et on a continué comme ça. À chaque semaine, on sortait une programmation. Et pour nous, c'était une façon, une carte d'invitation pour d'autres personnes à venir voir les possibilités du site. Attends, j'arrive. Vas-y, tu laisses faire. Alors là, on fait des crêpes coréennes, je ne sais plus le nom. C'est des crêpes qui sont plus épaisses, avec plein de trucs dedans, qu'on casse en morceaux après. Les participants, ils peuvent tous se mêler. On a imaginé un rythme de 3 jours où ça tourne. Donc
3 jours, tu es sur la montagne, 3 jours, tu es dans l'atelier graphique, 3 jours, tu es dans la cuisine. L'idée d'avoir plusieurs workshops comme ça, c'est qu'on puisse frotter à plusieurs types d'équipes ou plusieurs travails collectifs. Mais c'est sûr que aussi pour élargir ses horizons, c'est toujours le fun d'aller dans les jardins autour ou aller travailler au niveau du laboratoire de fermentation, seulement juste pour élargir nos horizons puis réfléchir la matière d'une autre manière. Le but d'activer et en même temps créer des liens, c'était d'utiliser le fait qu'il y a un campus scientifique qui va se construire ici dans les années qui viennent, donc les chercheurs qui viennent, qui ont savoir-faire, et nous on a interprété un peu cette idée de recherche, de savoir-faire. Ça veut dire qu'on fait des recherches autour de ce que toutes les personnes faisaient avant chez eux, enfin tout ce qui fait partie de la science qui appartient aux gens et qui est réalisé régulièrement sans que les gens s'en rendent compte vraiment que ça soit de la science derrière parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a tout un procédé qui est dessus. On travaille aussi avec la coopérative de légumes qui d'un seul coup se dit « Ah, on a beaucoup de ce type de légumes, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va arriver à les stocker ?» Et bien là, on a fait des essais en séchant, en faisant des lactofermentations, en faisant différents styles pour qu'eux puissent après conserver les légumes par la suite. Ce qu'on fait, c'est vraiment pour tout le monde. De commencer à amener du mouvement vers ce lieu-là, c'est certain que c'est positif. Puis de qu'il y a une mobilisation pour que les quartiers autour commencent à s'approprier ce lieu, commencent à vouloir y venir, bien, ça décloisonne. L'université ne veut pas que le nouveau campus arrive sans qu'il y ait eu une occupation de l'espace. Je pense que c'est positif qu'il y ait déjà un mouvement pour que le campus, quand il arrive, ça soit déjà intégré. S'il y a un tellement grand campus, c'est quasiment un nouveau quartier qui est en train d'être créé. C'est certain que le Montréal amène une rencontre des cultures. Puis, dans une université, c'est ça qui se passe aussi. C'est des gens de partout dans le monde qui se rencontrent pour produire de la recherche collectivement. Donc, c'est sûr que pour l'université, c'est vrai que ça peut être un beau symbole, le Montréal. Un symbole d'ouverture sur le monde, un symbole de dialogue interculturel, un symbole de mise en commun de ressources intellectuelles. Ich denke, dass allgemein das wichtig ist, eben verschiedene Perspektiven zusammenzubringen, sich darüber auszutauschen, weil die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, zu groß sind. Die sind zu groß für einen Bereich. Also wenn wir zum Beispiel über den urbanen Raum sprechen, dann sind sowohl Perspektiven von Städteentwicklern gefragt, dann sind Perspektiven von Leuten aus dem Bereich Umwelt und Umweltschutz gefragt, dann sind aber auch künstlerische Perspektiven gefragt, die vielleicht nochmal alles auf den Kopf stellen, aber trotzdem die Diskussion weiter voranbringen. La forme architecturale est très simple à la base, c'est un octogon, donc c'est plutôt une forme géométrique. Après, il y a une orientation, il y a une question un peu de petite déformation qu'on propose comme une scène sur le premier niveau et un peu l'orientation par rapport au soleil. S'il y a des gens qui utilisent le lieu comme un lieu performatif, tu vois, comme un salle de théâtre à ciel ouvert, par exemple, avec toute cette configuration à l'envers de ce qu'on peut imaginer d'une salle de théâtre, normalement là, on est vraiment à l'envers du Globe Theatre de Shakespeare. Le Globe Theatre était comme ça, et tu as les gens qui sont tous orientés vers le centre, et nous, là, on est à l'envers, donc tout le monde est assis à la limite presque dos à dos. Il y a quelque chose qui se passe autour. Scénographiquement, ça peut être très intéressant à utiliser. Aujourd'hui, on est rendu à la dernière journée de construction, mais c'est aussi le moment où symboliquement, c'est le moment de offrande d'une montagne d'un groupe de personnes à un autre. Causerie et broderie, archives de moments partagés. Particulièrement intéressant après avoir vu des photos, c'est de le voir en vrai et de le voir surtout dans son environnement. C'est toujours un peu excitant d'être là le jour d'une inauguration pour voir comment un projet sur lequel on a travaillé prend forme.
C'est le soir de l'inauguration, donc on célèbre et le travail est terminé, ou presque. Et notre implication dans le projet est terminée. Ce que j'en retiens au final, c'est que j'ai participé à un projet qui était plus grand que moi. Ça, c'est hyper valorisant. Je dois résumer un peu l'esprit du Montréal, c'est la passation. Il y a quelqu'un qui commence quelque chose et quelqu'un d'autre la porte un peu plus loin. Et à la fin, c'est un travail commun. Thank you.